à tous, c'est Jen Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Fire Emblem Echoes. Donc à la fin on est arrivé à la discussion qu'on vient d'entamer avec Alm, donc juste après la sauvegarde. Alors, m'accorderais-tu un instant Alm ? Clive, avons-nous reçu une réponse à notre requête ? Malheureusement non, le silence de l'Empire vaut 1000 mots, je crois qu'il nous faut nous résigner. L'empereur Rudolf n'a pas l'intention de négocier la paix et continuera son inexorable marche sur les terres de Zofia. Malédiction. Nos hommes ne tiendront pas longtemps. Le climat de Rigel est bien plus froid que celui qu'ils ont connu en Zofia. Rester ici plus longtemps ne fera que mettre leur morale à l'épreuve. Très bien, Clive. Je vous fais confiance. Mettons-nous en route. Entendu. Je vais prévenir nos troupes de se préparer à traverser la frontière. Quelles conséquences allons-nous devoir assumer ? Hé, Alm ! Alors ça y est, le moment est venu, hein ? Oui, nous allons pénétrer sur le territoire rigélien. Il va nous falloir redoubler de vigilance. Hé, la vigilance, ça me connaît. C'est même mon deuxième prénom. Même pas un sourire, rien. Allez, pourquoi tu fais cette tête ? On va y arriver, je dirais même plus. Je vais y arriver. On n'est plus les avortons tout juste sortis de rame, tu sais. Je vais devenir une véritable légende. Claire se jettera à mes pieds, tu verras. Par contre, Thomas risque de se mettre à pleurer parce qu'il veut rentrer chez lui. Ha, ça ne m'arrangerait pas. C'est sûr, j'ai besoin de lui dans cette armée. Merci pour tout, Gray. Je compte sur toi, tu sais. Y a pas de quoi. Mais si quelqu'un pouvait me dire pourquoi le vent est si glacial ici. Je ne plaisante pas, le froid est plus coriace que n'importe quel soldat. Tu trouves? Tu ne meurs pas de froid? Tu m'épates? Si, il fait froid, c'est sûr. Mais comment dire, cette sensation est quelque chose de familier. Ah bon? T'es parti en vacances à la neige sans me prévenir ou quoi? Bah, peu importe, allez, on y va. Donc, il a dit que la sensation d'air glacial qui règne du côté rigélien, c'est une sensation de souvenir. On dirait bien que Alm, eh ben, il vient pas de Zofia, mais... de Rigel. Ça y est, on va pouvoir avancer. Alors je vois que le côté d'Alm, ça va jusqu'ici. Rudolf, il est juste là-bas. Et là on a Berkut déjà. Et du côté de Silica, ok, on a pas grand chose hein. Ah, il y en a un petit peu plus au-dessus, mais j'ai pas l'air de penser qu'on peut y aller directement. Je ne sais pas si mon armée est assez forte pour battre celle de Berkut. Alors, j'ai 9 unités pour une force de 869. Et lui, il a 20 unités pour une force de 1483. Ça devrait passer. Allez, on va aller affronter Berkut. Bataille frontière. Ils mettent même la date et tout. Alm, nous sommes prêts à partir. Selon nos informations, les forces de Rigel nous attendent dans la forêt. Elles sont dirigées par le général Berkut en personne. Berkut ? Ils tiennent vraiment à garder le contrôle de la frontière. En effet, et pourtant nous n'avons d'autre choix que de la traverser. Entendu. Ah, te voilà, Alm. Je commence à me demander si tu viendrais. Berkut ! Dis-moi, c'est une jolie petite armée que tu as là. J'en suis presque ébahie. La délivrance n'a beau être qu'un amas de rebuts de la société. Elle fait illusion. Cela dit, je crains que tes petits succès ne te soient montés à la tête. Comment oses-tu te présenter à la frontière rigélienne ? Crois-tu vraiment qu'un manant tel que toi sera le prochain roi de Zofia ? Tu ferais bien d'apprendre ta place. Vous vous méprenez tous, Berkut. Clive. Fernand, haha, il est là. J'ai l'occasion d'observer les exploits d'Alm depuis ses débuts. C'est un guerrier dont le courage et la bonté du cœur sont dignes du trône. Il me l'a prouvé à de nombreuses reprises. La valeur d'un roi ne se mesure pas à son statut social. Ce qui importe, c'est sa grandeur d'âme, son conflit moraux. Ce qui importe, c'est ce qu'il accomplit.
Assez! Tu rejetterais ton héritage noble et t'inclinerais devant un roturier? De toute évidence, le Clive que j'ai autrefois connu est bel et bien mort. Et c'est à moi que revient l'honneur de l'enterrer pour de bon. Est-ce que Bercude va s'en aller? Ah non. Ah, cinématique, génial. What is it, sir? Sorry, I'm ready. Warriors, it's time! Time to defeat Emperor Rudolph and bring this bloody war to an end! Now then, who will defend Sophia? Charge! Help! Help! My lord, follow me! These worms have no right to crawl onto our soil! Mon petit Bercute, tu vas te prendre une branlée, mais tu devineras même pas d'où elle va venir. Alors, Almil est là. Il a l'épée foudre, il a pas l'épée d'habitude qu'il doit avoir. Ouais, l'épée royale. Ouais, l'épée foudre. Voilà, comme ça, Clive, il a l'épée foudre et puis nous, on a pris l'épée royale. Forsyth. C'est pas bien de rater. Clive il est un petit peu trop. Clive, tu vas aller là, tu vas parler à Claire. Ah Clive, Mathilda, que se passe-t-il? Tu as l'air si triste. Ouais, c'est pas Claire, c'est Mathilda. Où se cache ton adorable sourire? C'est ta sœur. Elle prétend qu'elle est dépassée. Qu'il est déplacé pour moi d'être plus forte que toi au combat. Je suis complètement chamboulée. Au combat, hommes et femmes sont égaux. Seul le talent compte. Mais tu seras bientôt mon seigneur et mari. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes diminuée ou embarrassée. C'est ma sœur qui devrait avoir honte d'entretenir des idées si rétrogrades. Je ne serai jamais ton seigneur. Je suis follement fière de tes exploits. Et je le voulais. Te surpasser au combat, il me faudrait travailler et le mériter. Je t'interdis de changer quoi que ce soit. Je t'aime comme tu es. Moi qui pensais qu'il était impossible de t'aimer plus fort. Allez, va faire virevolter ta lance, ma valkyrie sauvage. Ah, toi seul sais comment faire battre mon cœur. Regarde-moi déchaîner ma fureur contre ces misérables. Ouais, juste dans pas longtemps. Elle est jeune, hein, elle, Deltia.
décidément. Avant qu'il n'arrive à lui, on va lui faire ça. Les blindés, j'aime pas trop. Hein. Ah, c'est bien Lucas, mais tu vas pas le tuer, je pense. Hein. Ouais, trop court pour le tuer. Tant pis, il y a Faye. Elle utilise Excalibur. Excalibur, ça aurait dû être une attaque avec une forme d'épée, pas du vent. Mais bon, on va pas râler sur ça. On va déjà abattre leur petit bataillon. Non, il nous reste 5 PV. Ah, mais oui, tu attaques x2, génial. Aura. C'est quoi aura? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'elle est que niveau 3. Enfin, attention. Bien, Clive. Allez, l'ennemi arrive. Ah, ils vont pas très vite. Hein. D'accord, il y a Fernand en plein milieu du truc. Voyons voir comment il combat avec l'épée royale. Raté, trop rapide. Pas assez rapide. Trop lent. Trop lent. Il faut 3 gars pour en battre un, quoi. Vous avez pas honte? Que ce soit Clive qui doit finir tout le boulot comme d'habitude. Allez, go, et il manque toi. Ne meurs pas, on a besoin de toi, Clive. Enfin, en partie. Allez, lui, tu le zigouilles. Ouais, il va hors de danger, hein, parce que, voilà. Ah, si je fais Excalibur en foudre, ça va aller aussi loin. Non, il lui reste des vies. Et foudre, ouais, on va faire feu, ça va éliminer lui. Ouh, faut faire attention à Forsyth et à Lucas, parce que c'est des mages. Alors, vivre. Allez, on attaque avec ça. De combien est-ce qu'elle va faire de dégâts? 18. Et 6. Très bien.
Moins un. Est-ce qu'elle peut en tuer un? On va prendre lui car on est sûr de l'avoir celui-là. Ce sera un qui attaquera pas dans le prochain tour. Alors. Non, retour. C'est là-dedans, ouais, je crois. Alors, ils ont le même nombre de personnes que nous, mais ils sont moins forts. Voilà. Chiné. Tout de suite. Yes, un niveau. Moyen ton niveau, hein. Plus que moyen, dis donc. Il y a miasme aussi. On n'avait pas un heal avec Al. Salut Faye. Notre aventure sera bientôt terminée, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut que je te dise quelque chose. Le moment n'est pas forcément bien choisi, mais j'ai besoin que ça sorte. D'accord, je t'écoute. J'ai un rêve, ou plutôt un souhait. Je rêve qu'une fois la guerre terminée, nous retournions ensemble à Ram. Nous aurons un petit jardin, nous chasserons notre propre nourriture, et nous ne devrons plus jamais nous battre jusqu'à la fin de nos jours. C'est un joli rêve, tu ne trouves pas? Oui, c'est mignon. Penses-tu qu'il se réalisera? Je suis navrée, Faye, mais non. Je ne retournerai pas au village, je ne peux pas, je ne peux plus. J'ai bien trop à faire, mais je n'oublierai jamais ce que toi et les gens du village avaient fait pour moi. Je n'aurais jamais trouvé ma place dans ce monde sans vous. Tu comptes beaucoup pour moi, Faye, mais pas comme tu le souhaiterais. Sachant cela, acceptes-tu de continuer à te battre à mes côtés? Oui, je crois, on vit une aventure extraordinaire après tout. Je pensais que si je t'accompagnais, toi et moi, on finirait par... Oh, oublions ça, j'aurais dû me douter que c'était impossible. Mais j'aimerais garder mes sentiments à ton égard un peu plus longtemps. Tu veux bien? Bien sûr, Faye. Au moins... Ils ont été clairs. Ok, on va le mettre là. Il va me faire autant de dégâts. Ah. Attaque chance. Très bien. Raté, génial. Faudrait tous qu'ils se soignent. On les suit, hein, mais pas trop vite. Hein. Berkut arrive. C'est pas tout le monde qui regagne les PV.
C'est pas lui que je voulais attaquer, mais bon. Une critique, ça me va aussi. Tant de dégâts. Non, c'est trop loin. Et elle, elle peut pas attaquer d'aussi loin. Pas de coup critique Berkut, hein. Fais gaffe, hein. 19. Chiné, Berkut. Non, je ne peux pas perdre. Pas encore. Désolée, j'ai besoin de ton XP. Technique vitesse défense, pas mal. Un petit peu plus de résistance quand même. Peut-être besoin d'un mage. Hop. Arrêtez d'attaquer Mathilda. Mon dieu. C'est pas vrai, il va pas assez loin. Lui. Allez, on lui enlève un petit peu de PV comme ça. Lucas, il peut le finir. J'ai dit un peu de PV. Voilà. Même si c'était pas tout, mais... Ah, il peut le finir en un coup de chance, si il veut. Ah non, c'est bon. Eh ben, il a raté, évidemment. Du coup, on va laisser la petite nouvelle la voir. Petite magicienne. Deltea, elle est toute choupie. Alors, Faye va passer au niveau suivant et Forsyth aussi. Ah, soyez maudits. Vous êtes fort, Berkut. Personne ne peut dire le contraire. C'est pourquoi nous ne pouvons vous laisser partir. Je n'arrive pas à croire que je dois en arriver là. Que... Que se passe-t-il, Anne? Thomas, les amis, est-ce que tout le monde va bien? Allez, pitié! Par tous les dieux, des mains sortent du sol! Est-ce que c'est de la magie? C'est dégueulasse! Non, ce n'est pas de la magie normale. Nos propres attaques n'ont aucun effet. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ah. Lucas! Je dois absolument faire quelque chose avant que... Berkut, qu'avez-vous fait? Alors c'est ça, le pouvoir de Dumas, c'est ignoble. C'est vous qui êtes responsable de cette horreur. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, tu vas mourir ici avec les autres. Berkut, attendez! Attendez! Ça ne peut pas se terminer comme ça. Je ne peux pas mourir avant de te revoir, Silica. Oh! Quoi, c'était quoi cette lumière? Le pendentif de Silica. Alors peut-être que... Silica, tu m'entends? Je t'en supplie, aide-moi! Aide-nous tous! Quoi? Impossible! Le sort de Dumas est brisé! Comment avez-vous fait? Je ne sais pas, j'ai simplement envoyé une prière à quelqu'un que j'aime. Pouah, épargne-moi tes platitudes. J'étais destiné à la grandeur. Mais toi, tu n'es qu'un... Mais Sir Berkut, le sort est brisé, mais ils n'ont plus la force de nous poursuivre. Vous devez en profiter pour vous enfuir. Tu voudrais que je batte en retraite face à ces chiens? Je voudrais que vous viviez. Son Excellence l'Empereur comprendra. Allez-y, dépêchez-vous. Ce pouvoir venait-il réellement de Dumas? Il n'y a rien d'honorable à faire appel à de telles tactiques inepties. Qu'est-ce que l'Empire?
Non, les fidèles de Dumas essayent d'accomplir. Essayent d'accomplir quoi? En tout cas, c'était bien dégueulasse. Ils sont partis, Alm. Devrions-nous les rattraper? Non. Il ne serait pas raisonnable de partir à leur poursuite dans notre état. Ce que tu as fait à l'instant, c'était incroyable. Mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Pour être honnête, Tobin, j'ai paniqué. J'ai prié de toutes mes forces en tenant le pendentif que Silica m'a donné et... C'est ça, c'est elle qui nous a sauvés. Alors il faudrait que je la remercie la prochaine fois que je la vois. Oui, Tobin, je pense qu'on devrait tous le faire. Mais en fait, t'es mort dans mon histoire. Je t'ai tué sans faire exprès. Je sais plus comment t'es mort d'ailleurs. En tout cas, c'est triste parce que j'ai plus gré. Ah. Qu'il soit maudit! Pourquoi? Pourquoi suis-je incapable de l'éliminer? Subir l'humiliation des mains d'un roturier, et deux fois en plus. Mais sire, écoutez-moi. Je vous en conjure de vous calmer. Vous êtes sain et sauf, c'est tout ce qui... Silence, femme, tu ne sais rien. Berkut. Depuis toujours, on n'attend qu'une chose de moi, d'être le plus fort. Je me dois de m'élever au-dessus des autres, pour les gouverner. C'est ce qui m'a toujours été inculqué par mon père, ma mère. Comment donc puis-je rester calme alors que je perds face à des paysans? Je me suis même abaissée à demander l'aide de cette dépravée. Et cela ne suffit toujours pas. Fais appel à moi. Toi qui as soif de pouvoir, fais appel à moi. Qui est-ce? Montrez-vous! Berkut, que se passe-t-il? Vous me faites peur! Tu n'as rien entendu? À qui appartient cette voix? Il est en train de devenir fou? Alors, est-ce que là c'est un autre mini-boss? Mais il y a des chevaliers en or là! T'as les unités qu'il y a là, elles sont beaucoup plus fortes que ce qu'on a là pour l'instant. Donc Alm, j'irai peut-être m'entraîner encore un petit peu, histoire de monter Clive. J'aimerais bien qu'il passe niveau 20, que je puisse le monter au niveau supérieur. À moins que je l'ai déjà fait. Non, bon. C'est pas grave. Donc, pour cet épisode, on a eu la joie de revoir Berkut. On va dire ça comme ça. Et donc, pour le prochain épisode, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire Silica ou que je vais continuer. Non, je pense que je vais partir avec Silica, essayer de battre lui, puis le dragon. Il n'y a que 3 aurores pour 255 unités. Enfin, force, je pense que ça me prendra juste 5 minutes. Par contre, Doelt, lui, ça pourrait prendre plus de temps. Ouais, bon. Donc on va se quitter sur la belle armée d'Alm. Donc je suis déjà montée au niveau 15 avec lui. Enfin déjà, enfin. Ouais, on a quelques bonnes classes. Après on a quelques personnages qui ne sont pas encore assez forts. Mais en principe, normalement, bah, j'ai une bonne team pour le moment. Après, faudrait que je me batte en réseau, mais sur cette console là j'ai pas l'internet dessus, du coup j'ai pas fait le DLC. Bon, en tout cas moi je vous dis à vendredi prochain pour un prochain épisode de Fire Emblem Echoes, donc le dernier Fire Emblem que je fais, car lundi sortira le dernier épisode de Fire Emblem Révélation en mode solo. Et après, je ferai des combats en multi lors de live contre des abonnés. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, parce qu'il faut que la fibre arrive chez moi. Normalement, elle devrait déjà être là. Je sais qu'Orange a déjà la fibre ici, mais il n'y a pas Free ni SFR qui ont la fibre pour le moment, là où je suis. Il y a juste Orange, et Orange, je suis pas Orange, voilà. Et il faut aussi que je me rachète un nouveau PC, parce que le mien... Mon vieux PC de 2011... Il ne supporte rien du tout, alors voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, je vous dis à vendredi prochain pour la suite de notre Let's Play.